Evet, merhabalar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş, masallar varmış. Şimdi masalları çocukluğumuzdan alıp günümüze getiriyoruz ve değişik derslerde kullanıyoruz. Programımızda birinci sınıfta örneğin metin açıklaması dersi var. Daha sonra edebiyat dersimiz var, kültür dersimiz var. Masalları bu üç dersin kapsamı içine alabileceğimizi düşündük. Ve bugün size önce masallardan, daha sonra bu masallardan bir örnek olarak Kırmızı Şapkalı Kız, onu daha çok arkadaşım size anlatacak. Şimdi masalların diğer edebi türler arasında, yani edebi türler derken şiirden, romandan, tiyatrodan, denemeden, çizgi filmlerden sonra gelen masal olarak, edebi tür olarak masalları işlemeyi bugün öneriyorum. Masalların içeriğine girebilmemiz için değişik karakteristiklerinden biraz söz etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Masalların en belirgin özelliği sözlü edebiyat geleneğinden gelmeleri. Yani ta 10. yüzyıla kadar inecek olursak, 10. yüzyıla Kaz Ana'nın masalları diye başlayan masalların öyküsü kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa, ağızdan kulağa doğru yayılarak ta 17. yüzyıla kadar sözlü geleneğin bir yazınsal türü olarak devam etmiş. 17. yüzyılda Charles Perrault, ondan 200 yıl sonra Grimm kardeşler bu masalı yazıya dökmüşler ve dolayısıyla masallar yazılı edebiyat ürünleri arasına girmiş. Bu nedenledir ki biz masalları yazınsal tür olarak da diğer türlerin içinde inceleyebiliyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi tür ne olursa olsun, gerek roman, gerek şiir, gerek tiyatro, gerek deneme, bir yazılı metni belirleyen önemli elemanlar vardır. Bu elemanların başında tabii ki metni üreten yazar. Ama masallar söz konusu olduğunda ilk önce sözlü gelenek demiştik, anlatıcı ve daha sonra yazardan söz ediyoruz. Yine yazınsal metinlerde önemli olan kişiler, masalların kişileri, diğer türlere göre değişiklik gösteriyorlar. İnsan ve hayvan ve insan deyince tabii ki kadın kahramanlar, erkek kahramanlar, çocuklar ama bir de hayvanlar, hatta bitkiler, fantastik cadılar olabiliyor, ejderler olabiliyor. Dolayısıyla masal türlerinde şahıslar çok farklı olabiliyor. Peki ikinci unsur olarak zamana gelecek olursak, masalların zamanı Fransızca olarak söyleyecek olursam atemporel, yani zamanı belirsiz. Yani Türkçe'de bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar, geçmişte bir gün diye başlayan masallarda zaman kesinlemesi yok. Zaman kesinlemesi olmadığı gibi yerden de bahsedemiyoruz. Yeri belirleyen kesinlemeler yok. Yani bir ülkede, memleketin birinde, bir kır evinde, bir ormanda diye başlayan masal türleri var. Şimdi masalları bu şekilde genel karakterlerini söyledikten sonra nasıl inceleyebiliriz bir yazınsal tür olarak? Şimdi yazınsal türlerde belirlediğimiz hedef çoğul okuma. Yani bir masalı, tamam çocukken güzel masallar okuduk, masalların amacına uygun olarak belki masallar bizi eğlendirdi, belki birçoğumuza hayat dersi verdi. Fakat biz şimdi edindiğimiz bilgilerle yazınsal tür olarak masalları nasıl inceleyebiliyoruz? Dediğim gibi değişik yaklaşımlarla bir kere bu yaklaşımların çeşitliliği masala değişik açılardan yaklaşmamızı sağladığı gibi çoğul okumayı da sağlayacak. Şimdi örneğin sosyoloji, sosyolojik açıdan bir kırda geçen, bir köy evinde geçen, ormanda geçen masallar, o zamanki yaşamın gereklerini bize yansıtan masallar. Örnek olacak alırsak Kırmızı Şapkalı Kız'ı, buradaki kadın kahramanların mevcudiyeti ama erkek kahramanın bazı masallarda olmayışı, daha sonra eklenmesi, bunlar sosyolojik olarak incelenebilir. Psikanalitik açıdan zaten bu masallar incelenmiş. Bethlehem bu masalları incelerken masalın esas amacının genç kızlar geçiş evresinde olan
bir çocuğun karşılaştığı güçlükler, duygusal eğilimleri, cinsel eğilimleri biçiminde bize bunları yansıtmış. Yani annesi tarafından, kırmızı şapkalı kızdan söz edecek olursam, anneanneye işte yapılan pastayı, galeti götürmekle görevlendirilen kızdaki sorumluluk duygusu, ama bir taraftan da belki annenin kayıtsız durumu söz konusu olabilir, büyük annenin durumu. Bunlar hep sosyolojik ve psikolojik ilişkiler olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında bu şeyler morfolojik olarak da incelenmiş. Örneğin Rus masal bilimcisi Prop, her masalda 31 işlevin olduğunu öne sürerekten her masalın hangi coğrafyada olursa olsun birbirine çok benzediğini vurgulamış. Dolayısıyla her masalda 5 yapısal, 31 işlevi şimdi çok uzun olduğu için daha sonraya bırakıyorum. Örneğin giriş kısmı, bu giriş kısmında situasyon inisiyal dediğimiz kişilerin, masal kahramanlarının tanıtımı ve onların özellikleri. Şimdi bu seçtiğimiz masalda, yani Kırmızı Şapkalı Kız'daki kişilerin tanıtımını arkadaşıma bırakacağım. Daha sonra bu giriş kısmından sonra ve genellikle bu giriş kısmında kullanılan zaman dili geçmiş, yani emperfeyi kullanıyoruz. Daha sonra passé simple ifade edilen ve birdenbire masal kahramanını bir olayla karşı karşıya bırakan bir durum ki bu da masalın dengesini değiştiren bir unsur. Bunu da yine örnek vermek gerekirse küçük kızın bir kurtla karşılaşması ve bu kurtun dış dünyayı ve kötü adamları simgelemesi, küçük kızın da saflığı burada vurgulanır. Daha sonra üçüncü aşama olarak aksiyon diyoruz ki burada küçük kızın bütün güçlüklerle ve ikilem içinde kalması, yani annesinin öğütleri bir tarafta, ormanın çekiciliği, güzelliği bir tarafta. Dolayısıyla bu içten gelen güdüleri ve karşılaştığı durumla mücadelesi anlatılır. Daha sonra sona doğru yaklaştıkça tekrar bu masalın dengesi oluşturmaya başlanır. Masallar genellikle mutlu sonla biterler. Çeviri derslerinde masallardan nasıl yararlanabiliriz? Şimdi bu masal, bütün coğrafyalarda anlatılan, yazılmış olan bu masallar, tabii Türkiye'de de çok değişik şekilde algılanmış ve değişik şekilde çevrilmiş. Bu çevirme olayı içerisinde bir kere masalın başlığından başlayacak olursak çok farklı çeviriler ortaya çıkmış. Şimdi dolayısıyla bu çevirilerin gerçeğe yakın olabilmesi için görselin de çok önem kazandığını görüyoruz. Hepimiz kırmızı başlıklı kız olarak biliyoruz ve kırmızı başlığını anımsıyoruz. Fakat Türkiye'de yapılan çevirilerde kapüşonlu küçük kız, bereli, kırmızı bereli küçük kız, kırmızı başlıklı küçük kız, hatta kırmızı takkeli kız, o da olmamış. Şapkadan uzanan uzantılardan dolayı kırmızı pelerinli kız diye de çevrilmiş. Dolayısıyla görüyorsunuz çeviride daha masalın titrinden başlayarak, yani başlangıç isminden başlayarak çok değişik şekilde çeviriler karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle görselle bilgiyi birleştirerek kapüşon sözcüğünün Türkçe'de neyi karşıladığını, hangi giysinin karşıladığını belki bilmekte, araştırmakta yarar var. Daha sonra masallarda, Türkiye'deki özellikle yurdumuzda anlatılardan, masallardan farklı olarak bu masallarda en azından örnek vereceğimiz masalda tekerlemeler yok. Yani fantastik ögeler var fakat Türkçedeki ses yinelemeleriyle ortaya çıkan yinelemelerin, tekerlemelerin olmadığını görüyoruz. Yani şimdi il était une fois diye genellikle Fransızca'da başlayan bazı öğrenciler bir varmış il était une fois ama bir yokmuş yok. Niye onu bir yokmuş diye ilave ediyoruz diye sorarlar. Ama genelde il était une fois derken bir varmış bir yokmuş veya geçmiş zamanın birinde çok değişik söylemler gündeme gelebilir. Bu masallar bu şekilde çevirileri farklı olabiliyor, yeni şeyler eklenebiliyor, her kültürün özellikleri katılabiliyor. Dolayısıyla kültür derslerimizde de bu değişen kültürlerin masala katkısı da
şimdi arkadaşım tarafından size anlatılacak. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Nous allons commencer par définir le conte, puis nous allons faire une introduction sur le conte du petit chaperon rouge, nous allons parler de ses origines dans la tradition orale, l'entrée du fameux conte à la littérature, puis nous parlerons des changements que Charles Perrault va introduire dans le conte, et ce sera la dernière partie sur les versions d'autres pays. Et enfin, la conclusion. En répétant que quatre mots, rouge, grand-mère, méchant loup et chaperon, plusieurs d'entre nous se rappellent aussitôt du conte du petit chaperon rouge et de ses mésaventures à travers le bois. Une fillette avec son chaperon de couleur rouge qui traverse la forêt en rencontrant le méchant loup, qui ira faire une bouchée de sa grand-mère et d'elle aussi. Ce conte raconté de génération en génération devient déformé, voire transformé, autant qu'il perdra la trace de son origine. Ainsi, si le petit chaperon rouge est lié généralement à Charles Perrault, combien de personnes savent réellement l'origine et la version orale du conte? En fait, comme ce conte est issu de la tradition orale, il n'appartient à personne, ni à Perrault, ni au Grimm, seulement ils ont repris ce récit et l'ont refait selon leur style. Comme le conte a une forme ouverte, il permet aux écrivains de s'y introduire facilement et d'y mettre leur propre vision, en lui donnant un autre style, une autre couleur ou même une autre culture. Alors, à travers ce cours, nous pourrons voir quelques interprétations du petit chaperon rouge à travers plusieurs continents et pays. C'est-à-dire, le petit chaperon rouge prend de nouveaux visages et ainsi le lecteur moderne rencontrera des petits chaperons rouges de toutes les couleurs avec ces histoires assez originales. Alors, ce cours sera consacré sur une étude diachronique. Comme il n'était pas possible de mettre toutes les différentes versions, nous avons décidé de nous limiter chronologiquement et de choisir quelques-unes d'entre elles. Nous avons donc privilégié les ouvrages assez originaux de point de vue culturel et langagier, traduits ou non traduits en français. En passant par les origines du petit chaperon rouge, nous savons que ce conte a été destiné à être transmis oralement et nous n'avons jamais eu de support écrit. Il y a eu toujours plusieurs versions orales du conte. Ici, nous passons sur les versions orales transmises depuis l'époque médiévale française. Il y a quatre thèmes que nous allons revoir dans les versions différentes. Le premier thème sera le thème du chemin vers la maison de la grand-mère. Généralement, dans les versions orales, une fille sans nom est envoyée par sa mère pour aller chez sa grand-mère, en lui apportant un présent. Un loup-garou, surnommé Bzou, vient à la rencontre de cette fille pour lui demander « Quel chemin prends-tu ? Celui des aiguilles ou celui des épingles ?» Cette formulette se retrouve presque dans toutes les versions orales du conte. Yvonne Verdier, dans son article intitulé « Grand-mère, si vous saviez le petit chaperon rouge dans la tradition orale », montre que le symbole des aiguilles et des épingles est une façon de montrer les gens de campagne. C'est-à-dire, les jeunes filles de 15 ans apprenaient la couture avec l'épingle, initiation à l'art de trouver un mari ou un amoureux. L'épingle devient le symbole à la vie de jeunes filles, tandis que l'aiguille avec un large chat devient le symbole de la grand-mère monoposée qui ne voit pas facilement le chat. Le thème de repas. Le petit chaperon rouge qui a choisi le chemin des aiguilles dans une des versions nirvanaises et celui des épingles dans la version archédoise va vers la maison de sa grand-mère en traînant sur la route de la forêt. Le bzou, qui arrive chez la grand-mère avant la fillette, la tue et remet sa viande dans l'arche et une bouteille de sang aussi. Quand la jeune fille arrive, le bzou l'invite à manger cette viande cuite et à boire le sang qui est dans la bouteille. Cette scène de repas cannibale se retrouve dans la majorité des versions orales, qui nous mène vers l'horreur. Le troisième thème de déshabillage est le fameux dialogue entre le loup et le petit chaperon rouge. Après avoir goûté le repas cannibale, le bzou oblige la fillette à se déshabiller et de venir près de lui dans le lit. Et c'est ici qu'il commence le fameux dialogue entre le loup et le soi-disant chaperon rouge. « Que vous êtes poilus !» Que vous avez de grands ongles, de grandes épaules, de grands trous de nez, une grande bouche. Quatrième thème, la fin heureuse ou tragique. Dans la majorité des traditions orales du conte, nous avons une fin heureuse, mais parfois nous avons des fins tragiques, comme celle de la version Tourangelle. Car le loup, à la fin du conte, prépare un bon souper de l'héroïne aussi. Cependant, dans les autres récits, nous observons une fin heureuse, car la fillette, une fois dehors, détache les fils attachés par le loup à ses pieds et s'enfuit jusqu'à sa maison. Nous voyons aussi dans d'autres versions qu'elle sera sauvée par les laveuses de la rivière. Après avoir vu et étudié les quatre thèmes, nous allons voir comment ce conte est rentré dans la littérature française.
Dans les salons littéraires, les contes prennent une place très importante et deviennent la mode pour les élites de la cour de Versailles au XVIIe siècle. C'est grâce à Perrault que les contes oraux entrent dans la littérature française et que l'héroïne prendra le nom du Petit Chaperon Rouge pour la première fois. Dans les contes anciens, la coiffure en rouge de la petite fille était très peu mentionnée. Cet écrivain du XVIIe siècle introduit l'expression « petit chaperon rouge » pour désigner une petite fille de village qui ne porte aucun prénom. Et cette expression deviendra le titre même du conte. En cinquième, les changements de Perrault. Pour écrire son conte, Perrault décide de supprimer les scènes horribles. Nous ne verrons ni de repas cannibales, ni de déshabillage, car l'auteur doit respecter les règles de la bienséance du siècle. En regardant l'illustration de Gustave Doré, on peut remarquer que la petite fille porte sur la tête et le visage caché du méchant loup, vu de dos, qui montre parfaitement la férocité de l'animal, qui nous épargne sa gueule humide, sa langue rouge, ses yeux verts, son poil, ses griffes, son souffle, son odeur, tout pour dire que nous avons des sensations fortes chez Perrault. Après la première version écrite en français, nous allons regarder étape par étape les versions d'autres pays. Différentes versions que nous commençons par le pays la plus proche de France, ce sera la version allemande, écrite par les frères Grimm. Les deux frères Grimm, plus d'un siècle après Jean Perrault, reprennent ce conte en rajoutant une scène finale, grâce à l'arrivée d'un nouveau caractère, celui du chasseur, qui ouvrira le ventre du loup pour en sortir la grand-mère. Ce conte s'adapte très bien à un public d'enfants. Et n'oublions pas que le pot de beurre deviendra une bouteille de vin. Version italienne. La bambina è il lupo. Dans cette version italienne, l'illustratrice Chiara Carré va reprendre une des versions orales, car nous n'avons ni le nom de l'héroïne, ni l'expression du chaperon rouge. Au contraire, nous retrouverons le bzou et le choix du chemin des épingles et des aiguilles, ou une grand-mère dévorée et de la chair mise de côté dans un buffet. Ici, le choix de couleur a une place importante. Trois couleurs sont à la base. Le noir pour représenter le fond de l'illustration, le jaune clair qui est relatif à la petite fille et le rouge associé au loup en lui donnant l'air du méchant ou même d'un diable. N'oublions pas que le jaune démontre la pureté et l'innocence de la petite fille. En arrivant en Turquie, nous allons parler de la version turque. Kırmızı başlı kız. Dans la version turque, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir une variété de différents titres donnés à ce conte. Un qui s'intitule « Kırmızı başlı kız ». Nous avons un autre « Kırmızı takkeli kız ». Et une autre version plus moderne animée s'intitulant « Ulfalı kırmızı kafalı emo » qui sort du conte sérieux de Perrault et devient une histoire très comique d'une petite fille aux cheveux rouges. Sa mère, qui a utilisé des plantes pour changer la couleur de ses cheveux, et elle a transformé cette fille avec une coiffure complètement en rouge. Et nous aurons aussi une autre transformation plus comique. Le loup se transforme en un jeune homme dangereux qui se trouve dans le minibus, c'est-à-dire dans le dolmuş en turc. Et sur le trajet de sa grand-mère va rencontrer cet homme. Selon la traduction de la ville d'Ulfa, la petite cheveux rouge doit apporter à sa grand-mère une spécialité de la région qui s'appelle çörek, une sorte de pain qui s'accompagne avec du thé. Bon, nous arrivons à une autre version. Encore plus différente, la version marocaine, la petite Aïcha et son grand-père Bouza. Ici, dans ce conte, nous n'aurons plus de grand-mère, mais un grand-père très malade et couché au lit. Aïcha, l'héroïne de notre histoire, vit avec ses parents agriculteurs. Elle rend visite chaque jour à son grand-père et lui apporte du lait. Dans cette version, nous faisons attention que le vin donne sa place au lait, parce que, à cause d'une culture différente. La petite Aïcha porte des bracelets en or pour que le grand-père puisse la reconnaître. Elle n'utilise plus la formule de Perrault, mais seulement le bruit et le mouvement de ses bracelets en or. Nous remarquons que, dans ce conte marocain, la sonorité et le champ lexical lui sont dominés beaucoup dans le récit. Le vieillard demande à chaque fois à sa petite fille « Si tu es ma petite Aïcha, fais tenter ton semanier en frappant la porte, car les sept bracelets faisant bling 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 qui prouvaient l'arrivée d'Aïcha. » Ici, l'animal est l'ogre qui essaiera de changer de voix pour pouvoir imiter la voix d'Aïcha. Alors, la mère de l'ogre cherche dans un livre « Comment changer de voix ?» Toute l'histoire tourne autour des voix et des sons, qui rend ce conte plus original. Nous allons passer dans un autre continent, version africaine. La petite fille et le lion. Comme le titre indique, une fille sans prénom sort de chez elle en laissant derrière elle ses grands frères au village. Le lion demande sur le chemin à cette petite fille qui portait des bijoux et une vache près d'elle « Où vas-tu avec ton lait ?»
Le lion, après avoir su la réponse, va chez la grand-mère et dévore les différentes parties de la grand-mère, commençant par une jambe, puis une autre main, puis une autre jambe, et à la fin, il ne restera que la tête de la grand-mère. La fille, effrayée par le corps de la grand-mère, car il ne reste que la tête, se sauve et le lion la suit. Puis, pour pouvoir fuir, ce lion affamé lui donne sa vache. Après, il lui donne un collier, puis un bracelet. Puis, elle se déshabille et donne tous ses vêtements au lion. Mais finalement, c'est les frères qui vont la sauver. Alors, nous allons arriver dans une autre version complètement différente, la version iranienne. Chanel Khermezi. Nous avons choisi ce conte iranien pour des raisons diverses, car cette petite fille au chaperon rouge change selon les périodes politiques du pays. Nous avons trois versions. L'une avant la révolution iranienne, une fille très belle, intelligente, qui veut rendre visite à sa grand-mère en lui apportant un grand bouquet de fleurs. Mais après la révolution islamique, tout change. Parfois, nous remarquons que la fille a cédé sa place à un garçon, car sortir dehors pour une fille n'est pas correct. Ou à la place des fleurs, elle amènera des bananes. Est-ce qu'il y a des bananiers en Iran? C'est une autre question. Ou les chaperons rouges de la fille qui deviendra plus long et couvrira tout le corps de celle-ci pour être protégée. Cependant, une très nouvelle version parue en France par l'auteur Paris Sabora, intitulée « Mon petit chaperon rouge » en 2010. Nous voyons une fille sous pression du méchant ogre barbu qui se voit obligée de porter le voile noir et de faire le ménage pour l'ogre. La petite fille demande de la respecter, mais l'ogre répond « Mais ton voile à présent, tu ne dois jamais l'enlever, compris ?» Et un peu plus tard dans le récit, l'ogre affirme « Dès demain, tu nettoieras la maison et tu prépareras le repas. Pour commencer, enlève ce ridicule chaperon rouge que tu as sur la tête. » Toutes ces répliques et ces couleurs sont des symboles culturels et montrent une pression sociale de la part de l'homme. Bon, notre cours va arriver à la fin. Et en conclusion, depuis des siècles, les contes sont racontés dans des régions très éloignées et très différentes les unes des autres. Un grand nombre d'entre eux sont comparables dans le chemin narratif, dans les symboles, dans les oraux, avec cependant des écarts dans le sens, les cultures, les couleurs et parfois les personnages aussi. Selon le pays et selon la culture du pays, tout peut changer, mais la signification profonde du petit chaperon rouge restera la même. Merci d'avoir écouté.